nken de Moutongo après la prison et la justice populaire dont il a été victime, a tenu à s'exprimer pour la première fois la déçue et nous donne sa part de version des faits. Sans plus tarder après le générique, je vous laisse écouter. C'était un vendredi, on m'avait invité dans un mariage. Oui, je suis allé avec ma copine. Je suis faisait star alors, je ne pouvais pas rentrer à la maison seule parce que c'était pas à côté, j'étais pas au quartier. Oui, j'étais un peu très loin. Ensuite, j'ai décidé d'aller dormir chez mon grand frère. Là, la chauffeur Moutongo, toujours là. La chauffeur Moutongo, comme vous voyez là. C'est là que subitement, une voiture de police. Il faut partager. Hein. Une voiture de police est arrivée. Subitement, nous sommes pris. On était au nombre de 7. 7. Oui. Quand je comprends seulement si les réseaux que. Quand je comprends si les réseaux que non, patati patata, qu'il a recommencé le vol alors que ce n'est pas cela. Voilà mes frères et sœurs. C'était juste un rafle seulement, un rafle administratif. Ce n'était pas les soutiens que je faisais avant. Mon passé, c'est mon passé, j'ai laissé tout ça derrière. Et je suis plus dans ça. Je suis plus dans ça, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que vous voyez, j'ai fait cette prison. J'ai fait cette prison et j'ai même fait un mois de prison. Oui, quand on nous a condamnés à un mois, pas souci même comme ça là, pour rien même. Bah, c'était grave. Là. Quand je vois dans les réseaux qu'on dit que Ken, parce qu'il fume le chambre, machin, tout, alors que ce n'est pas cela. Je suis plus un fumeur. Comme vous me voyez, je suis encore un fumeur. J'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté tout. Là-bas, c'était pour le cadre de la prison. Nouvelle là, comme vous comprenez, nouvelle là. Et le deuxième cas aussi, c'est par rapport à cette vidéo. Parce que si j'étais à la maison, Emmanuel Crow, ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient les accompagner chez la copine un peu. Comme vous voyez. Moi, ici, j'ai dit que j'ai vu que non. Quand il m'a mis quoi à la maison, là, ben, tant que non, je peux ici un peu marcher un peu avec eux. Bah, je peux un peu les accompagner. Subitement, j'arrive dans un carrefour. On était quoi? Mes deux amis, ils prennent fuite. Et compassement, ils mettent derrière moi. Oh mon fils, oh mon fils, oh mon fils. Oh, tes deux amis qui étaient avec toi sont où? Je dis que mais ils sont là à partir. Et tu es là maintenant. Oui. Il a justement vu un peu le parti, je ne sais pas. Oui, c'est comme ça alors. Oh, elle m'a arrêté, elle me dit que si ce sont tes amis, ça veut dire que même toi, chef de gang, tu fais le même geste là. Elle dit que non. Elle dit que ma mère, moi, je ne suis pas le genre là. Tout le monde le fait, puis ça, moi, c'est là. Je sais repentir, ne fais plus moi ça. Oui, comme vous voyez, partagez. Nous sommes à 300 vues. Ah, faut partager. C'est là que subitement elle m'a pris en parler bien avec cette femme et bien parler avec cette femme. Elle dit que non, comme vous voyez là, moi je suis pas le genre là, oui, que je suis pas le genre là. Et subitement elle a vu trois jeunes garçons qui sont venus là. Elle me dit que hey, c'est pas qu'elle ne me tombe. Tu as encore recommencé. Oh, avec toute ton image qui est dehors là, toute ton image qui est dehors. Pourquoi mon petit? Bien quoi là? Oh, c'est que je les ai expliqué que non. Cette mère me dit que non. Que mes deux amis qui ont fui là. Comme ils ont fui, c'est moi comme moi maintenant qu'on va arrêter alors. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Ils m'ont pris la vidéo, ils m'ont attaché, ils m'ont demandé de faire. Et tu n'avais pas cité, il n'y avait rien qui pouvait te faire.
Ils ont fait, ils ont pris la vidéo, ils m'ont dit que non, je chante mon son, qu'il a dit que je passe seulement. Ciao la famille, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo.